un voyage épuisant, dangereux. Le bébé et moi étions malades et affamés. Et là, la maison du cœur s'est ouverte. Tous savaient dans le village que j'étais juive et résistante. Tous ont eu le courage du silence et de la solidarité. Et un enfant ne se trompe jamais sur les sentiments qu'il reçoit. Et j'ai été choyé, mais aussi élevé et éduqué. Comme un de ces enfants par Noémie et Camille. 54 enfants raflés, âgés dans leur très grande majorité, entre 5 à 16 ans. Parmi eux, 2 sont fusillés. 52 sont déportés, seuls 6 d'entre eux survivront à la déportation. Parmi les enfants bloqués, car fichés dans le département, 21 seront sauvés grâce à des initiatives individuelles et collectives.